Amen, 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 amen. Restez bénis au nom de Jésus. Ce matin, tu vas partir avec ta délivrance et ta joie. Ce matin, sache que le démon, le sorcier qui te fatigue, il est déjà tombé au nom de Jésus. Je vais appeler ici les frères et les sœurs qui étaient préparés tout à l'heure pour faire le témoignage. Parce que j'ai été vite. Là, il faut que ça se passe devant papa. Donc, préparez-vous. Vous qui étiez tout à l'heure prêtes à faire le témoignage, je veux voir la première personne ici. Venez glorifier le nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ qui guérit les malades, qui ouvre les yeux aux aveugles, qui fait marcher les boiteux, qui purifie les lépreux, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu vas édifier tes frères et sœurs qui sont ici, afin que eux aussi sachent que voilà ce que Jésus fait quand tu viens en lui. Que son nom soit glorifié. Amen. Alors la princesse de Jésus, tu vas te lever, tu vas venir dire ce que Jésus a fait pour toi. On acclame le Seigneur pour la sœur. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Un micro pour elle, s'il vous plaît. Mets-toi à côté. Avance un peu. Mets-toi à côté là-bas parce qu'il monte. Bonjour frère, c'est un Christ. Mon prénom c'est Flo. Je m'appelle Flo Combe. Je témoigne. Mon témoignage c'est pour dire merci à Jésus. Amen. Parce que j'ai eu un accident, avant mon accident et après mon accident. Je ne faisais que des cauchemars, j'étais poursuivie toute la nuit dans mes rêves. On me poursuivait tout le temps, toute la nuit quand je dormais, j'étais poursuivie. Et le 24, 25 et 26 mars, j'étais à Lyon. 2017, j'étais à Lyon et j'ai acheté l'huile bénite. Et je suis partie avec ça chez moi. Le 27, j'ai utilisé l'huile. 27, 28, 29, je buvais. Et je me pommadais avec aussi. Et depuis jusque-là, on ne me poursuit plus. Tous les bouillons ont taillé, ils ont fui. Il n'y a plus de bouillons qui me poursuivent dans mon rêve. Je dors tranquillement. Je n'ai plus de problème. Franchement, je dors très très bien. Donc je rends gloire à Jésus. Je le bénis pour tout ce qu'il a fait pour moi. Acclame Jésus. Sois béni. La deuxième personne, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur. Il faut encourager ta soeur. Là, elle va bien parler, puis tu vas bien comprendre. Voilà. Sois béni, c'est bon de Dieu. Bonsoir, les frères et sœurs. Écoutez, comme vous le constatez, je suis un peu timide, donc soyez un peu inclusifs. Le monde est timide et chassé au nom de Jésus. Donc, je viens témoigner pour les gens qui sont encore susceptibles, oui. Qui ne croient pas. Ben, je ne connais pas le prophète Joël Crasso. C'est la première fois que je le vois. Amen. Physiquement. Amen. J'ai une amie qui est là, qui est une sœur, qui devait aller pour le programme de Lyon. Donc, elle m'appelle pour m'informer. Moi, je ne pouvais pas y aller. Donc, elle est partie. Elle m'a dit que c'était vendredi, samedi et dimanche. Et je savais qu'elle devait aller vendredi matin, j'ai essayé de la joindre, mais je n'ai pas réussi. Et puis bon, je priais, je dis bon, pourvu qu'elle pense à moi en étant à Lyon là-bas. Et avant de partir, elle me dit, tu sais pas qui est le prophète Crasso, non, ben écoute, tu tapes sur YouTube et tu vas avoir une idée. Ok. Donc je regarde sur YouTube, bon, j'ai vu. Je dis, ben, c'est pas mal, mais bon, je ne peux pas aller là, je suis coincée, c'est pas possible. Donc, elle est rentrée de Lyon, je crois le lundi, et elle est rentrée, c'est pas dimanche, on s'est vu, c'est lundi. Lundi soir, quand elle m'a vue, elle me connaît, j'ai été opérée depuis le mois de juillet. Donc, quand j'allais le lundi chez elle, quand on s'est rencontrés, pour qu'elle me donne de l'huile, elle est là. J'étais dans quel état? Je boitais. Alléluia. Soit donc, j'étais opérée du pied. Donc, ça faisait que je boitais. Et justement, c'était par rapport à ça. Elle dit, écoute, même si tu n'es pas partie, je t'ai ramené de l'huile. Okay.
dedans. Je dis, écoute, elle m'a donné une bouteille. Je dis, quoi, une seule bouteille? Allez, il n'y a pas une deuxième. Elle dit, Nicole, tu es gourmand. Ok, donc elle m'a donné une seconde bouteille. Je suis allée à la maison avec, comme ça. Arrivée à la maison, je le déposais. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui as envoyé ton fils, Crasso, et que par lui, tout ce que par ton fils, le prophète Crasso, et que par lui, tout ce que je suis en train de voir sur YouTube, tout ça, si tu as mis cette puissance en lui pour que toutes ces personnes qui marchent, tout ça, mais moi aussi, donc j'ai pris lui, j'ai mis sur tout mon corps, j'ai mis sur mon pied, et mardi soir, j'étais là, mardi toute la journée, en fait, je regardais, je fais que regarder l'émission qui concernait le prophète. Mais la nuit, j'ai eu très, très, très mal au ventre, je n'ai rien compris pendant 5 jours. Et je dis, nous tous, on a mangé la même chose, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je ne sais pas. Donc, tout ça, je m'en fous. Chaque soir, je mets sur tout mon corps. Je tire mon pied que je n'arrivais pas. Mais là, moi, je vous dis sincèrement, j'ai été opérée en juillet. 6 mois après, ça n'allait pas. Le médecin dit, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on vous opère le pied et puis depuis, ça n'arrive pas à guérir. Donc là, j'ai fait des infiltrations. En février, 23 février, j'ai eu une infiltration. Et toujours, comme je dis, voilà, mon pied, je boitais. Elle m'a mis, j'ai mis l'huile d'onction. Aujourd'hui, vous m'avez vu là. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est... Je marche. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus pour sa vie. Sois béni définitivement, mon Jésus. Vous avez vu ce que lui fait. Si tu es ici, tu n'as pas l'huile, va jeter ton huile. Alléluia. Amen. Jésus fait toujours des miracles. Amen. Troisième personne. Venez, vous qui voulez faire témoignage, venez en même temps. Vous allez rester à côté. Sois béni. Voilà, mettez-vous à côté là, s'il vous plaît. Voilà, tous ceux qui veulent faire témoignage. Voilà. Amen. Amen, sois béni. Bonsoir à tous. Mm-hmm. Je suis ici ce soir pour glorifier le nom du Seigneur parce que grâce à lui, par le canal de son fils prophète Joël Crasso, j'ai été guérie de l'insuffisance rénale. Allez! La dernière fois, lors du dernier passage du prophète Crasso, on a été, ma famille et moi, aux 3 séances de délivrance. Alléluia. À la première séance, j'étais devant et il y avait un monsieur devant moi. Il est venu là où j'étais, il a dit, Dieu me montre qu'il y a 2 personnes dans la salle qui sont atteintes de l'insuffisance rénale. Venez ici devant. Le premier jour, là, comme j'avais peur, je ne suis pas partie. Mm-hmm. Mon fils, il me dit, mais maman, vas-y. Je dis, laisse. Le lendemain, on est reparti. Il me redit, Dieu montre qu'il y a 2 femmes. Cette fois-là, il a dit 2 femmes dans la salle qui ont l'insuffisance rénale. Venez devant. La première femme, elle est venue. On a commencé sa délivrance. Et moi, j'étais toujours assise. Mon fils, il m'a poussé toujours. Et finalement, je suis venue. Je suis allée lui dire, comme la délivrance avec l'autre femme avait commencé, donc moi je lui ai dit à l'oreille, prophète, moi aussi je suis atteinte de l'insuffisance rénale. Il m'a soufflé dans les yeux, je suis tombée. Et je suis restée jusqu'à la fin. Le lendemain, j'avais rendez-vous à l'hôpital, peut-être 1 semaine après. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens. Le médecin qui me suit, elle me dit, mais... On ne voit plus, vous n'avez plus rien. Vous êtes amen. Jésus, le Seigneur. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce que vous avez pris qui vous examine ne montre plus rien du tout? Elle me montre la courbe, je ne savais même pas lire ça. Elle me dit, vous voyez, à telle période, vous étiez à telle courbe, maintenant vous avez ça. Qu'est-ce que vous avez pris? Je dis, je ne sais pas. J'avais peur de lui dire ça pour qu'elle me prenne pour une zozo, donc du coup, j'ai rien dit. Donc là, mon prochain rendez-vous, c'est en 2018, alors que j'étais suivie régulièrement.
dedans. Elle m'a donné rendez-vous en 2018. Je lui dis, mais docteur, comment vous me donnez rendez-vous si un seul rendez-vous si loin? Elle me dit, mais il faut jubiler parce que si je vous donne rendez-vous dans 2 ans, ça veut dire que votre mal est fini. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. Je vais me permettre. Je m'excuse beaucoup, je vais vous déranger, mais je vais me permettre. Quand on fait un témoignage, quand on rend gloire à Jésus, il faut sceller le témoignage avec une offrande. Amen. Amen. Parce que depuis, je ne veux pas parler, mais le Saint-Esprit me tend l'oreille. Amen. Donc quand vous faites un témoignage, il faut sceller. Même si c'est un euro. Seigneur, je te pose dans ton panier parce que tu m'as guéri. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ouais. Je voudrais demander à l'assistance de dire merci au prophète Crasso. Le prophète Crasso, il est de Dieu. Et il dit qu'à Paris ici, il y a beaucoup de fils spirituels. Amen. Ceux qui combattent le prophète Crasso sont des enfants de Satan. Alléluia. Et Dieu merci, ils ne sont pas nombreux ici à Paris. Amen. J'ai connu le prophète Crasso par YouTube. Je suis allé à Dio. Et vraiment, le travail qu'il a fait sur moi, en 2 jours, je vous dis, je n'ose pas regarder la vidéo. Il y a un avant prophète Crasso et il y a un après prophète Crasso. Alléluia. L'après prophète Crasso est un homme changé. Dans bien des domaines, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si tu as les oreilles, mais je me suis éloigné du péché. Amen. J'ai eu plus la crainte de Dieu. Je suis devenu une autre personne. Amen. Il y a des attitudes que j'avais. Que j'ai abandonné. Amen. Et en plus, mon petit frère qui s'est à côté de moi ici, 11 ans, il cherchait le visa. Il n'a pas eu de visa. 11 ans, on est parti chez le prophète Crasso. Le prophète Crasso l'a béni. Et en plus, il a pris lui du prophète Crasso le jour où il avait rendez-vous à l'ambassade. Il a mis sur son passeport. Amen. Il arrive, tac. On lui dit merci. Il a donné témoignage. La dernière fois que le prophète est venu, il y a un an de cela, ou 2 ans. Un an de cela, je suis venu le saluer. Et quand je partais dans la salle, il dit, mettez, je suis venu. Il dit, je vois une toile d'araignée sur ta tête. Et pendant ce temps, quand j'étais arrivé du pays, c'est comme il y avait 5 doigts qui se baladaient dans ma tête. 5 doigts comme ça, je sentais les doigts dans ma tête. Et il a soufflé. De l'endemain, je n'ai plus rien senti. Donc ce que certains hommes mettent 5 ans à chasser, le prophète Crasso, en un instant, avec la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Il arrive à le faire. Gloire à Jésus. Et bien lui dit merci. Et merci à Jésus pour tout ce qu'il fait. Mm-hmm. Et après il dit merci au prophète Crasso, le dernier CD. Il a mis maintenant la grande. Merci. Amen. Ah donc c'est de Dieu bien. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu es trop riche. Tu as dit, Dieu t'a mis dehors. Dieu dit, plus ces quatre-là, il faut que tu mets un bonnet dedans. Ah oui. Tu es béni, mon frère. Je bénis le nom du Seigneur. Je cherchais à joindre le prophète. Je cherchais à joindre le prophète depuis longtemps. Mm-hmm. Et à chaque fois, j'allais sur Skype. Je lui laissais les messages, mais il ne répondait pas. Et comme il ne répondait pas, on est beaucoup. Je disais rien. Je disais que bon, nous sommes nombreux, donc il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Et une nuit, je ne dormais pas, il était très tard, et j'ai eu le prophète. Et on communiquait par SMS. Et après, il me posait des questions. J'ai dit non, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas si c'est vraiment lui ou pas. Mm-hmm. Donc il m'a posé la question, il dit tu es Saint Thomas. J'ai dit oui. Donc il a activé la vidéo. J'étais tellement ému que je tremblais sur moi que je ne pouvais même pas lui parler. Mm-hmm. Je tremblais tellement que ce qu'il me posait comme question, j'étais vraiment gênée. Et j'étais ému. Et cette période, je ne me portais pas bien. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à Abidjan, j'ai mes enfants à Abidjan. Et je lui ai dit j'avais des problèmes et tout ça, que vraiment je veux voyager et tout ça. Il m'a demandé, tu crois en Dieu? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais prie, tu vas voir. Et je me suis mise à la prière, je lui ai dit merci, tout ça. Et je priais. Et un jour, mon fils m'appelle, il me dit, maman, tu vas venir à Abidjan. J'ai dit, ah bon, tu es sûr? Il dit, oui, tu vas venir. Et il m'a envoyé le billet. Je n'avais vraiment pas d'argent.
Et puis je suis partie. Arrivé là-bas, j'ai dit non, je ne vais pas en famille. Parce qu'il faut, si, je dois aller voir le prophète d'abord avant de partir en famille. Amen. J'avais tellement peur. Et depuis, ça faisait 6 mois que je n'étais pas partie à Abidjan. Parce que j'avais peur et en même temps, je n'avais pas d'argent. Et quand je suis arrivé le lendemain, le prophète devait voyager. Et sincèrement, quand je suis parti, je n'avais pas l'argent, mais j'ai payé l'huile quand même. Et lui, le prophète n'avait pas le temps, mais je me suis laissé... Vous n'entendez pas? Ah, d'accord. Bon, il y a ces pasteurs qui sont là, qui m'ont oué l'huile et m'ont lavé avec l'huile et tout ça. Et si j'allais en famille, j'ai salué mes parents et tout ça, et je suis revenu. Pourquoi je vais témoigner? Parce que il y avait des moments où je sentais quelqu'un me caresser et j'avais peur même qu'on me casse le cou, mais je sentais toujours quelqu'un me caresser. Mais depuis que je suis rentrée avec lui, je me frotte à elle avant de dormir, je vous jure qu'on ne me caresse plus. Jésus fait un miracle. Non, on me caresse. Jésus fait un miracle. Vraiment, quelqu'un me caressait. Je sentais toujours quelqu'un. J'ai posé la question. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Je reste calme. Je sens quelqu'un me caresser. Et une autre aussi, pour la prière. Des fois, on demande aux hommes de Dieu de faire des prières pour nous. Mais ce que je veux me faire comprendre aussi, souvent, si nous-mêmes aussi, mais aussi, Dieu peut faire aussi certaines choses pour nous. Amen. On a nos pères spirituels qui sont là. Amen. Mais il faut que nous-mêmes aussi, on se mette à la prière. Amen. C'est très important. Amen. Merci. Je tenais à dire merci au prophète Tasso. Parce que quand vous arrivez là-bas, vraiment, on a même honte, même parce qu'il y a vraiment le cadre, il est bien. L'accueil est vraiment, tu as honte, parce que tu n'as pas quelque chose à donner. Donc, prochainement, avant de partir, je sais que le prophète m'en va dire c'est bon. C'est bon. Amen. Oui, il n'y a pas de problème. Princesse de Jésus, viens glorifier le nom de ton papa. C'est qui l'a fait pour toi. Le Seigneur me dit, il faut danser. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit, il te dit, il faut danser. Alléluia. Oui, il faut chanter une chanson, même si c'est dans ta dialecte, il faut danser. Parce que c'est ce que le Seigneur a fait pour toi. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il faut danser. Il faut chanter, puis tu danses. Oui, même si c'est dans ta dialecte. C'est ta façon de lui dire merci. Vas-y, sois béni. Sois béni, mon nom Jésus. Vas-y, parle. Bienvenue de la Côte d'Ivoire. Oui. On va chanter une chanson. Oui. Ah, c'est bien ça. Amen. Yembabina, Jésus. Yembabina. Il n'y a pas de temps ici. Je n'avais pas de problème. Bénissez la réchante, chantez aussi. Jésus. Cette chanson me dit que je veux suivre Jésus-Christ toute ma vie. Alléluia. Jusqu'à dans le ciel. Alléluia. Parce que de toute façon, on était tous musulmans dans ma famille. Yes. Convertis. Yes. Voilà. Gloire à Jésus. On attend Jésus pour l'encourager. On va suivre Jésus jusqu'à ce que la trompette sonne. Vous ne verrez pas que c'est bon. Amen. On était tous morts. Et que Christ nous a ressuscité. Sois béni. Donne ton témoignage, ma soeur. Alléluia. Micro, parce que ceux qui sont là-bas. Je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Je vais témoigner ici pour ma soeur qui est partie en Allemagne, qui était chez moi. Donc, il y a notre, ma septième soeur qui est là-bas, qui est timide, qui ne veut pas venir. Elle va venir. Mais le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Alléluia. Et c'est qu'elle, elle n'allait pas bien. Lorsqu'elle a fait ses radios, on lui a dit qu'elle avait quelque chose dans le ventre. Et je lui ai dit que bon, que comme tu pars en Côte d'Ivoire, tu iras à Digo. Oui. Tu vas chercher de l'huile parce qu'on suit le prophète, parce que je crois à son ministère. Et, oui. Et je suis aussi révoltée contre la sorcellerie. J'ai la rage beaucoup contre cette chose parce que ça y est dans ma famille. Mm-hmm. Et ça fait des rages en ce moment. Mm-hmm. Mais le Seigneur est victorieux. Amen. Le Seigneur nous a donné la victoire. Yes. Donc, elle est partie à Divo. Mm-hmm. Elle est venue avec de l'huile chez moi. Yes. Et je suis dans le Loiret. Oui. Micro. Je suis dans le Loiret. Oui. Et ma jeune soeur qui est venue, celle qui vient après moi, elle est venue de l'Allemagne. Et donc, on parlait du prophète, qu'on cherchait d'ailleurs pour prendre rendez-vous avec lui pour le Nord. Mm-hmm. Et donc, notre soeur est venue avec l'huile. Oui. Et celle qui est venue chez moi de l'Allemagne, elle disait que ça n'allait pas chez elle parce qu'elle sentait sa tête ailleurs
comme si sa tête était ailleurs, ses pieds à quelque part. Elle ne se sentait pas soudée, elle se sentait dispersée dans son corps. Je lui ai dit que ça, ça ne va pas. Qu'il y a quelque chose. Nous savons ce qu'il y a dans notre famille. Yes. Et quand ma soeur est venue, elle avait une fibrome dans son ventre et qu'on devait opérer. Yes. Et arrivée, elle a bu aussi l'huile depuis là-bas, depuis la Côte d'Ivoire. Et donc, le docteur l'attendait pour l'opérer. Oui. Et quand elle est venue, elle m'a dit qu'elle va repartir pour son opération. J'ai dit, bon, puisque tu as la foi, tu as bu l'huile d'onction, et je pense que bon, cette chose est partie. Arrivé là-bas, effectivement, le docteur était étonné. Et le fibrome n'était plus là. Elle saignait plus. Alléluia, on acclame Jésus. On acclame Jésus. Je dis ces choses pour fortifier le peuple de Dieu. Elle va venir. Elle va venir. Si tu suis, il faut qu'elle la voie. Voilà. Et que le peuple aussi la voie. Et celle qui est de l'Allemagne, on a prié la nuit. Yes. Elle a bu de l'huile. Yes. On en a mis partout sur son corps. Et on l'a ointe. Oui. Et dès qu'elle est sortie, et puis elle marchait mal. Oui. Elle avait mal partout. Oui. Le matin, je l'ai vu marcher très bien. Alléluia. Et donc, elle m'a dit que la nuit, son corps la piquait de partout. Elle voyait que quelque chose sortait de son corps. Mais elle voulait me réveiller. Elle a eu très peur. Oui. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est assise à quelque part. Mais le matin, elle m'a dit qu'elle s'est sentie libérée. Alléluia. Parce qu'elle sentait son corps, sa tête à sa place. Alléluia. Et ses membres à leur place. Voilà, Jésus, on acclame le Seigneur. Le nom de Jésus soit toujours glorifié. Sois béni, ma soeur. Et tu dis à celle qui a été guérie qu'elle vienne proclamer le nom de Jésus pour la prier. Même si elle n'a rien à faire. Sois béni. Viens, ma soeur, la princesse de Jésus, viens glorifier le nom de ton papa. Merci, sois béni. Quand Jésus te bénit, il faut reconnaître. Oui, voilà. Je faut pas avoir honte. Demande de honte, tu es peintu au nom de Jésus. Je te chasse de ce corps. Allez, va. Sois béni. Amen. Je saignais pendant 1 an et demi. Comme ça. Je vais toujours le papa. Oui. Donc. Un jour, ça m'a pris comme ça d'aller en Côte d'Ivoire, au mois de février. J'ai décidé de partir et j'ai essayé de prendre toujours rendez-vous cette année-là, comme ma soeur l'a dit. Et après, je suis partie au pif. Une fois bidon, je n'ai pas pris de rendez-vous, j'ai débarqué carrément comme ça. À Divan. Un dimanche, et puis on a fait le culte ensemble. Et c'était le seul dimanche où il n'a pas pu recevoir. On nous a dit qu'il était épuisé. Oui. C'était le 20 février. Oui, c'est un être humain aussi. Voilà. Donc, on a compris, bon, j'ai juste eu à prendre l'huile. Mon vol était pour le 24. Oui. Et je suis rentrée à Abidjan. En temps, bien avant ça, le 1er février, j'avais eu une échographie. Oui. Et j'avais un fibrome. Ils ont vu que mon fibrome était en. Le fibrome, c'est pas ton fibrome. Le fibrome. Je faisais une hémorragie déjà, depuis 1 an. Donc, mon médecin a voulu me prendre en urgence. Et 3 jours après, il a vu encore que je faisais un kyste plus le fibrome. Donc, on n'avait pas compris, ça s'accumulait, quoi. Malgré les médicaments que j'avais, il n'y avait pas d'amélioration. Donc, il m'a même dit de ne pas partir en Côte d'Ivoire. J'ai décidé quand même de partir. Sur un coup, il m'avait donné rendez-vous pour me faire l'opération le 20 février et le 20 février, c'était un dimanche, je rentrais à l'hôpital et ce jour-là, je me trouvais à Divo. Nous sommes là pour parler. Donc, quand je suis rentrée, j'ai pris l'huile. Yes. Je me suis lavée pendant 3 jours. Chaque soir, quand je quittais au boulot, je me badigeonnais de partout et j'en mettais sur le ventre et puis je priais toujours. Et à chaque fois, j'en prenais une petite cuillère. Donc, c'était comme ça pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, j'avais plus de saignement. Alléluia. On acclame Jésus. Au bout de 3 jours, elle n'a plus de sang. Elle a plus son
au bout de 3 jours, j'avais plus de saignement. Mais je faisais toujours le Thomas, donc je l'appelais, elle m'a rassurée, mais j'avais toujours ce doute-là. Et le 3 mars, comme je suis rentrée le 24, le 3 mars, j'avais rendez-vous, oui, une échographie avant de passer sur le billard pour me faire opérer. Donc, ils ont regardé. La dame était surprise. Ils m'ont fait faire encore une autre échographie à 3D pour voir s'il n'y avait vraiment rien. Mais tout est sorti, mais il n'y avait plus rien. La dame était tellement surprise. Voyant que le médecin était prêt, il attendait, il avait son courrier urgent. Tout. Mais elle dit, mais elle ne comprend pas, il n'y a plus rien. Moi, je me suis relevée malgré tout, je dis, mais c'est pas possible. Il y avait 2 trucs au lieu d'un, donc c'est pas possible. Mais au fil, c'est rien passé, juste aujourd'hui. C'est parti. On acclame Jésus qui fait les miracles. Sois béni, 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 béni. Amen. Approche-toi, Jésus. Donne ta vie réellement à Jésus. Parce que quand il t'est guéri comme ça, il faut le suivre. Si tu ne le suis pas, Satan aussi, tu mets un pied ici. Je préfère que tu suives Jésus. Et que son nom soit toujours glorifié dans ta vie. Sois béni. Amen. Princesse de Jésus. Félix. Félix. Jésus fait toujours des miracles. Sois béni. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je m'appelle Traoré Soadou, je suis guinéenne. Sois béni. J'ai 6 enfants, j'ai 5 garçons et une fille. Alléluia. C'est une grâce. Il y a d'autres même qui cherchent un même, ils ne gagnent pas. Mes enfants, j'ai remarqué, ils sont tous à l'école. À un certain moment, ils se découragent, ils ne veulent plus aller à l'école. Oui, Jésus. Je me suis dit, ce n'est pas normal. Yes. J'ai demandé à Dieu de me montrer le bon chemin. J'ai connu le prophète Crasso à travers les réseaux sociaux. Yes. Alors, j'ai essayé de la voir aussi, je n'ai pas pu. Et je me suis rendue à Lyon. Yes. Je suis allée à Lyon, il a prié, on a prié, prié, prié. Pendant les 3 jours, j'y étais. Le 3e jour, on a quitté, les prières étaient finies. J'ai pris le bus pour rentrer à Creil, là où je suis. En cours de route, je reçois un coup de fil de mon enfant. Il me dit, maman, j'ai une nouvelle pour toi. Je lui dis, quelle est la nouvelle? Il dit, j'ai eu du travail. Gloire à Jésus. Je commence. Gloire à Jésus. Jésus fait des miracles. Acclame Jésus pour ta soeur. 6 enfants, ils travaillent là. Et tu t'en vas. Tu as pas de ta clé. La clé, c'est ton offrande. Ta parole, tu dis à Dieu, j'ai des enfants, ils travaillent pas. Et retour, l'enfant t'appelle. Merci beaucoup.
Il va commencer à les mater. Amen. Que Dieu te bénisse. La suite des témoignages. Ouais, si je vois. Je peux. Faut laisser quelques petites. Faut dire ce qu'il a fait pour toi. Si tu as les petits, tu grandis. Tu t'es venu ici. On va courir. Je suis malade. Et la petite va grandir. Venez à Paris, on est bon. Là, tu es arrivé pas marcher. On s'est vu à Lyon là. Oui. Maintenant ça va? Oui. Ça va? Tu marches bien? Oui. Est-ce qu'on peut amener Jésus? Oui. Est-ce qu'on peut l'acclamer? La gloire du Seigneur. Amen. Témoignage. Sois béni, maman. Je me rappelle. Elle est bien sûr. Wow. Bonjour, papa. C'est l'introduction du programme de Paris. Ça va chauffer. C'est la trop. Merci, papa. Merci. Merci à tout le monde. Merci, papa. Merci, frères et sœurs, vous qui avez permis que papa vienne à Paris. Nous, on n'a pas les moyens aussi de payer le billet pour aller en Côte d'Ivoire. Papa, j'ai failli perdre ma carte d'identité. Je suis arrivé en France depuis 88. Tu as dit merci à tout le monde sans Jésus. Sans Jésus, non, pardon. Pas dit papa. Oui. Merci les frères. Papa, frères et sœurs. Mais Jésus, lui, il est son merci à moi jusqu'à papa. Oui, il est à moi, Jésus, merci papa. Merci papa. Merci. Je dis merci seulement. Même pour venir là, merci tout le temps. Merci Seigneur. Oui, papa, j'ai dit merci. Je ne peux pas oublier Jésus. Ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux pas oublier. Papa, tu vas sauver. Jésus en moi. Il s'appelle lui-même. La Jésus en moi, il s'est bien. J'ai vu où je suis, ce que Jésus a fait pour moi, je ne vais jamais oublier. Ce qu'il a fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Oui, oui, papa. Donc, c'est qu'on fait l'introduction d'un programme. Donc, je suis arrivé avec un long séjour de la Côte d'Ivoire. J'ai été à l'école. À un moment, complication à Paris, mariage compliqué. Papa, j'ai perdu les papiers. Oh Seigneur, je me cache pour aller au travail tous les jours. Bref. Et là, je vous ai vu, j'étais allée chez une soeur comme ça, et puis elle me dit, mais j'ai des problèmes même pour faire. Maintenant, les gens ont changé les titres à la sous-préfecture. Je ne comprends pas. Comment je vais faire pour faire ma demande de papier de la nationalité? Elle dit, hé, maman, les choses ont changé. Maintenant, c'est Internet. Je dis, ma fille, donc il faut m'apprendre alors. Donc, dans ce affaire d'Internet, elle dit, est-ce que tu connais Papa Trasso? Je dis, Papa Trasso, et moi, je ne le connais pas. Elle dit, viens. Elle m'a montré. La soeur chez qui elle était, elle dit, pardonnez, ne regardez pas des choses comme ça sur ma mon ordinateur. C'est ça qui envoie les virus après. Je dis, la soeur, donne-moi le numéro. Moi, je vais aller chez moi à la maison, je vais regarder. Donc, la fille a écrit sur le bout de papier. En temps, elle a dit, tata, moi, je vais faire tes papiers. On va
tant de trucs. Mais comme aujourd'hui, les dates sont passées, il y a des jours maintenant, comme vous ne connaissez pas, les gens, ils font ça pour vous, pour camoufler, pour ne pas que les gens fassent beaucoup de demandes. Et donc, c'était au mois de février dernier, en 2017, pardon, c'est février 2016. Elle m'a dit, viens. Donc, je suis partie. Elle a ouvert l'ordinateur. À midi moins 10, de midi moins 10 jusqu'à à midi 45, il ferme. Donc, personne ne peut demander de rendez-vous. Et moi, j'étais là depuis des années, je ne savais pas. Donc, elle a fait et elle a eu le rendez-vous. On me dit, maman, quelle heure? Je dis, même s'il dit 8h même, là, 7h, je suis devant la porte à Nanterre. Et elle a eu le rendez-vous, papa. À la suite, je suis rentrée, j'ai commencé à prendre tout ce qu'on m'a donné sur votre YouTube. Et j'ai commencé à voir comment il fallait prier. Comment il fallait prier, papa, je ne dors plus. 3h du matin, je suis réveillée. Même 1h, je suis réveillée. Je prie jusqu'à là, le mois de février 2017, papa Crasso. J'ai tenté, j'ai des problèmes, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, vous n'avez pas payé les trucs d'impôt. Donc j'allais aux impôts, aux finances. Et puis j'ai dit, bon, je vais ouvrir ma boîte aux lettres, je prends mon courrier. Je marche, j'arrive à l'arrêt, je vois, vous avez eu votre nationalité. Dieu. Ta parole est tellement puissante. La parole de Dieu est tellement puissante. Papa, je bénis ton nom. Je bénis le nom de l'Éternel. Qui t'adore, Seigneur, que tu as débordé, papa, et que tu nous en donnes avec générosité. Merci beaucoup, papa. J'ai eu mes papiers. Merci. Amen. Je te revois, ma soeur. Je revois Lyon. Ouais. Je revois à Zurich. Ouais. Sois béni. Elle me suit partout. Oui. Je vous ai promis et je vous ai promis. Hein. Hein? On est ensemble. On est ensemble, vraiment. Où je peux commencer? D'abord, merci Dieu. Merci Jésus. Merci Papa. J'ai quitté en Suisse. Je suis venue à Lyon. Je n'avais rien. Et jusqu'à aujourd'hui, grâce à papa, j'ai pu venir. Je suis allée à Zurich, je suis venue à Lyon, je suis venue maintenant à Paris. Il y a ma cousine qui est là, je suis chez elle, c'est elle qui m'a payé le ticket pour venir. J'ai parlé, papa. Elle aussi, elle a assisté. Elle est là maintenant. Mais le jour de conserver à Lyon, c'était très dur pour moi. Vraiment. Je n'ai pas travaillé jusqu'à maintenant. Mais Dieu merci. Je me suis retrouvée. Alléluia. Aujourd'hui, je peux oser rentrer parmi les gens. Oui. Je peux parler. Personne ne me rejette. Alléluia. Dieu merci. Papa, merci. Oui, la cousine qui est là. Elle est là-bas derrière. Maman, c'est... Ah, mais c'est gentil. C'est elle qui me loge. C'est elle qui a payé mon ticket. C'est elle qui me loge. Je suis chez elle. Alors, ce jour-là, papa m'a offert 200 euros. Amen. Je ne sais pas quoi faire. Je suis allée acheter. Quand il le jour, le prophète lui a offert 200 euros. Un pasteur, un prophète qui donne l'argent à sa fille. Parce qu'elle avait besoin de ça. Ah, elle a besoin. Ouais. C'est pas tout le monde qui donne. Hein. Oui, mais elle avait besoin. Elle avait besoin. Non, papa a posé l'acte. Aujourd'hui, ça l'a délivré. Comme papa même dit, l'argent délivre. Amen. On acclame Jésus. Cette 200 euros-là, je suis allée acheter une montre avec une Bible pour garder. Amen. Je veux que papa me dise ça. Il faut m'a payé. Papa a donné encore, hein? Elle lui a donné sa montre. Oui, tu as donné, tu as déjà donné. Tu as donné un homme Jésus. Il faut l'aider dans ce jour. Voilà, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Voilà. Jésus fait des miracles. Mon garçon, viens.
Les Guinéens, on est ensemble. Hein. Pour pas arriver à Conakry, pour mater la sorcellerie. Des sous-sous là. On me connaît déjà, c'est recoré. Voilà. J'allais mater les pouvoirs de Zégo là. J'ai envoyé un bail contre moi, j'ai retourné ça contre l'envoyé, il est tombé paralysé. Je suis venu prier pour ne plus la marche. À Zéro Coran Guinée, ce n'est pas un musulman, elle était sec. Voilà. Je connais déjà la Guinée et j'ai vu comment Dieu m'a puissamment utilisé. Comment tu vas? Merci à tout le monde. Franchement, c'est pas facile. Que mon métier, je joue devant tout le monde, j'ai pas honte, je suis pas gêné, au contraire, je suis plus inspiré. Mais parler devant tout le monde et parler devant lui, je suis stressé. Ouais, je suis stressé, j'ai j'avais pas voulu parler, mais bon, j'étais au fond et mon cœur me disait, vas-y, c'est maintenant, faut le défier, c'est maintenant. En fait, c'est toute une longue histoire, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je suis de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ici parce qu'il est ivoirien. J'ai fait pas mal de pays, Guinée, Togo, Bénin, Sénégal, Gambie. J'ai fait des pays où on dit il y a un tel là-bas qui peut régler ton problème. Donc vous êtes intelligent, vous savez de quoi je veux parler. C'est-à-dire que j'ai commencé le football, je m'appelle Aïpo Zavi Constant. J'ai commencé le football, il y a eu un recrutement, j'étais pas prévu pour le recrutement normalement. Mais bon. Après, ils m'ont dit, bon, c'est toi qu'on préfère, celui qu'on voulait, il ne nous a pas impressionné. Donc voilà comment moi je suis parti vite d'Abidjan. Mon football, il est parti, boum, un moment, pff, ça s'est bloqué. Moi, je ne comprenais rien. Ça s'est bloqué, vraiment bloqué. Alors, mes amis à moi qui me disent, non, mais tu non, toi tu es là, tu fais rien, le métier n'est pas facile, il faut rentrer en brousse. J'ai dit, non, moi, il rentre en brousse. Moi, c'est Dieu qui m'a donné ça, c'est Dieu qui a. On dit, il faut attendre. Effectivement, c'est Dieu qui m'a donné. L'année qui a suivi, j'ai décalé. Après l'année qui suit encore, j'ai décalé. Donc du coup, je retourne à Abidjan en vacances. Pendant que mes amis organisent des matchs de gala, moi, ils ont honte de me présenter. Ils me disent, mais il est où le gars? Il se cache. Bon, effectivement, je me cache parce que je suis descendu. C'est comme le donner de la classe, il ne peut pas se mettre devant tout le monde. Donc je suis resté tranquille dans mon coin et puis... voilà, il y a un qui m'a dit, bon écoute, ce soir, je joue la Ligue des Champions. Après la Ligue des Champions, je t'appelle. Il dit, ça va. C'est ma classe. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a fini le match, il m'appelle. Il dit, gars, moi, mais il y a honte. Il dit, tu as honte de quoi? Il dit, non, faut te débattre. Il dit, mais demain, comment tu vois? Moi, c'est talent qui est dans mon pied. Maintenant, là, c'est Mélin, si moi, il fait comment? Il a laissé ça. On a bien, il a fait un petit Jossi. Il dit, non. Le gars qui m'a relevé, là, lui, va te relever. Il dit, mais il n'y a pas comment parler. Il a... Attention, hein, c'est un amène empoisonné. Attendez d'abord. Il me dit, le gars qui m'a relevé là va te relever, mais c'est quel gars ça? Il dit, faut attendre. Il dit, mais attends, moi aussi, 0-0, ça veut dire qu'il n'y a pas l'argent sur moi pour payer mon billet pour aller. Il me dit, je paye ton billet, je te loge, je te donne l'argent de poche. Il me dit, à moi, je paye ton billet, je te loge, je te donne l'argent de poche. Tu pars rencontrer la personne. Moi, je te jure que quand tu reviens, en bon, façon, c'est la même table pour parler. Et puis ceux qui sont moqués de toi, là, on va voir ce qui va se passer. Il me dit, il n'y a pas de souci. Donc il m'envoie de l'argent, je prends l'argent, je prends mon billet, et puis voilà, je voyage. Il m'a donné 3 pays. J'arrive à l'aéroport, on me récupère, on m'envoie à l'hôtel, je vais voir la personne en question, il fait ses trucs, il fait, bon, il dit, bon, c'est bon, faut partir. Je vais entendre parler, il dit, d'accord. Je vais dans un autre pays, je finis. Après un autre pays, je finis. Je vais, je m'assois. Il me dit, mais attends, il y a un dernier là, il faut aller le voir. Il me dit, mais tu m'as dit 3 personnes qui me disent, il y a un dernier encore. Il dit, il faut aller le voir. Il dit, pourquoi? Il dit, vas-y, je vais voir le dernier. Je suis avec le dernier, après, mon téléphone sonne. Il décroche. Il dit, mais toi-même là, on est en train de faire ton travail, et puis tu ne crois pas que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la foi. Quand tu ne crois pas, là, ça ne marche pas. Il dit, mais Joe, la vie. Il dit, mais tu as acheté mon argent, il fallait me dire que tu ne crois pas en ces choses-là. Il y a mis mon argent dedans, tu es allé là-bas, tu tu viens, tu ne crois pas. Les gars me disent que quand ils font les trucs là, toi là, tu ne crois pas à l'être truc là, donc là ça ne peut pas marcher. Il dit, ah, non, c'est ça le problème. Il dit, ouais. Il dit, mais Josie, hein, quelque chose pour que je crois là, il faut me donner pour moi, je ne sais pas comment il va faire. Il me dit, bon, moi je ne peux rien faire pour toi, il faut retourner. Donc moi je suis revenu sur l'Europe, et j'étais là tranquillement. Et puis je me suis dit, bon,
va à Abidjan, va te changer les idées. Moi, je vais à Abidjan. Effectivement, Divo, moi j'ai mes oncles. Le petit frère de mon père direct, il est de Divo. Il habite à Divo. Lui, il fait peur. Lui, quand il vient à la maison, il dit, il est sorcier. Lui, il ne cache pas. Il dit, moi, je suis sorcier. Hein. Il dit, moi, je suis sorcier. Donc, les gens ont peur de lui. Hein. Les gens ont peur. Quand il arrive, on dit, le tonton arrive, ça court. Donc, ouais, moi aussi. Mais moi, je n'avais pas trop peur de lui. Donc, moi, je le regardais de temps en temps. Donc, on arrive à Divo. J'allais dans un village en Côte d'Ivoire. Et on est passé par Divo. Je suis dans le camp, j'ai peur. On dit, désormais, vous allez pisser. Il dit, ah, il est Divo. Depuis que je suis à Abidjan, j'ai grandi à Abidjan, je suis né à Abidjan. On me parle de Divo, le village de mon oncle. Moi, il est arrivé ici, j'ai dit, non, moi, il ne descend pas. Les gens sont descendus, ils ont fait pipi, tout ça là. Le camp a démarré. Dès qu'on a quitté Divo, j'ai commencé à être un peu à l'aise. On a fini, je suis retourné. Je suis revenu sur l'Europe. C'est encore empiré. La situation s'est encore empirée. Donc, du coup, dans ma tête, en un mot, je ne croyais plus en ces choses mystiques et je ne croyais plus en Dieu non plus. Parce que ça m'a fait douter de Dieu. Parce que je me suis dit, j'avais Dieu, j'ai rien eu. Donc du coup, ce témoin, je n'étais pas obligé de faire ce témoin, je l'ai fait pour dire que Dieu il est puissant. Donc, effectivement, j'ai eu pas mal de contacts. On me dit, non, viens ici. Je n'ai pas besoin de détails parce que depuis... En 2005, j'ai eu une proposition au Qatar. J'ai été au Qatar vite fait pour le test. Enfin, j'ai été vite fait quoi. J'ai été au Qatar, j'ai fait le 7, j'étais avec un Gabonais. On a fait les 7 et tout. Et ça a été bon, a été concluant. Donc, on a même, c'était un match. Donc, dans le match, j'ai marqué un super but. Franchement, c'était bon. Et après le match, l'entraîneur a joué, il est rentré dans ma chambre. Il m'a dit, tu aimerais jouer avec le Gabonais ou tu aimerais jouer seul? J'ai dit, bon, moi j'aimerais jouer avec le Gabonais. Il m'a dit, ah bon, j'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Après, il m'a dit, bon, demain, voici le contrat, il faut le lier, tout et tout. Et voilà, le gars qui t'a fait venir nous a dit ce que tu voulais comme argent, tout et tout. On va te le donner. Demain, 10h, il y a la conférence de presse au rez-de-chaussée de l'hôtel. Tu viens là, il y a les journalistes qui viennent, tout ça, tout et tout. Il y aura quelqu'un qui va traduire pour toi en anglais et en arabe. Il dit, d'accord. Donc, je dors dans ma chambre, je suis couché. Et puis, comme ça. Dans mon rêve, je donne un truc léger. J'avais ma Bible, j'étais là, j'étais stressé. J'ai dit, oh! J'ai joué jusqu'à à chaque fois quand il veut voir un truc d'intéressant, un truc de prometteur qui va assurer mon avenir, ça c'est mélange. Je ne comprends pas. Donc cette fois, c'est la Bible là, à côté de moi. Donc j'ai prié bien, j'ai dormi. La nuit, j'ai vu une ombre qui est quittée dans ma chambre, dans les toilettes, une ombre qui est venue, qui a pris le papier. Moi, je prends Dieu en témoin, qui a pris le papier. Et qui est retourné dans la chambre. Et moi j'étais lourd, j'avais le frisson, j'avais peur de me lever. Et après, quand il est rentré dans les toilettes, je me suis levé, effectivement le papier n'était plus là. Et je vous dis juste qu'aujourd'hui le papier a disparu. Juste qu'aujourd'hui le papier a disparu carrément. J'allais dans la douche, j'ai regardé, j'ai eu peur, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai appelé tout de suite une maman qui priait pour moi, puis je l'ai expliqué un peu. Elle m'a dit, il faut prier, c'est lui qui va s'en sortir, ça va aller, d'accord. Le lendemain, à 10h, 8h déjà, j'étais déjà au rendez-vous. Je suis assis là, j'attends les journalistes, ça vient, ils viennent pas. J'attends les journalistes, ils viennent pas. 11h, il y a un arabe qui vient, il me dit, il me montre un papier, c'est toi? Je dis, ouais. Le gars me dit directement à Abidjan, ils m'ont mis un papier, ils m'ont dit, aéroport de Côte d'Ivoire, aéroport, il faut partir à Abidjan. Je dis, le truc là, on dit, non. Donc j'appelle le manager qui m'a fait partir, il m'a dit, non, ils ont refusé. Donc je me suis fâché contre lui, il dit, mais vous m'envoyez dans un truc comme ça, vous me dites, c'est un truc qui a beaucoup d'argent. Il vient, il fait le travail, et puis à la fin, c'est bon, on me remercie. Donc il a dit, toi et moi, on ne travaille plus ensemble, c'est pas la paix. Je suis retourné à Abidjan. Donc, en guillemets, pour dire que j'ai traversé Divo, je suis revenu à Divo, je ne savais pas que mon bonheur il était à Divo. Et il a dit tantôt que moi je suis ses vidéos. Hein. Peut-être que ma femme va me laisser pour le sapin, il n'a rien pour la bonne vidéo. Il me réveille ici dessus, il dort ici dessus, ici tout, même la nuit il dort. Elle doit côté de moi, quand elle tourne là, je suis obligé de baisser la luminosité de mon iPhone pour pas que ça la dérange. J'ai fait même quoi, il ne faut pas dire que cause avec quelqu'un d'autre. Il va faire le fameux quand même. Donc on est là. Il y a ma soeur qui m'appelle au téléphone, elle me dit, ça va, je dis ouais, ça va. Elle me dit, ben écoute, hein. Actuellement, il y a un petit temps, toi, ta femme, je ne comprends pas le point. Je l'ai expliqué un peu. Elle dit, bon, viens à Paris, viens te reposer un peu, on va causer un peu. On a causé un peu, on a dit, bon, écoute, on va parler d'un gars là qui prie la crasse auto et tout. Il faut voir. Le prophète, c'est le thème qu'elle a pris, donc j'utilise le thème. Il dit, ah bon, il dit, ouais. Donc on allait taper YouTube, il dit, ouais.
voit des enfants venir du tout comme ça, des bébés qui commencent à témoigner. Il dit, mais chez nous, là, c'était auberge. Parce que quand il quitte, quand il y a un cadavre, quand il y a un funérail à Abidjan, quand il quitte Gagnon ou il quitte Divo, quand il vient chercher nous, là, il dorme d'abord. Et puis maintenant, il pourtant les enfants qui sont venus dormir, peut-être qu'ils sont attaqués jusqu'à ils vont. Comment il y a moyen, il vient de l'homme 8, 7 jours, je dis non. C'est dans une langue, si c'est en anglais, ou soit plutôt au Nigeria, j'allais me dire que c'est un montage, là, il faut faire. Ça, c'est bête, bête. Donc, il a montré, après, il m'a envoyé la vidéo à ma femme, je lui ai dit, bon, regarde la vidéo, qu'est-ce que tu en penses. Et il s'en fout, il va moi, il ne va pas là-bas, il dit, attends, même chez vous là-bas, il y a ce sujet, il faut les choses. Alors, on n'est pas du même pays. Mais même chez vous là-bas, il y a ce sujet. Donc, du coup, on a commencé à parler de ça, et puis, j'ai commencé à parcourir à la vidéo du prophète Kasso, je regardais. Et une fois, dans une vidéo, je suis tombé sur il y a 4 jours de cela, où il priait et il a dit, tous ceux qui regardent la vidéo en ce moment, que le feu du Saint-Esprit les touche où ils sont dans la vidéo. Et quand il a dit ça, moi il y avait mon fils qui était juste à côté de moi. Mon ventre a gargouillé. Et il m'a dit, papa, il m'a dit, mon chou, parce qu'il m'appelle chou, comme sa maman. Il m'a dit, mon chou, il dit, tais-toi. J'ai fait, c'est 2 jours non, ou 3 jours 2 jours 3 jours. Ça coule, l'eau, ça coule. Alléluia. Ça coule, l'eau, ça coule. Je sais pas ce que c'est. Donc, je dis à ma femme, je dis, bon, écoute, il paraît qu'il doit aller à Toulouse. Elle dit, oui, il dit, bon, on prend notre billet pour Toulouse. Après, on apprend, je dis, il est en Suisse en ce moment, Zurich, il doit aller à Toulouse. Mais Paris, là, c'est pas trop confirmé. Après, je vois, il vient à Paris, il dit, bon, allons à Paris. Elle dit, donc, si, il dit, moi, je veux le voir. Tu me parles de quoi? J'ai pris des millions, moi, mon argent, c'est pas l'argent de quelqu'un, moi, mon argent, j'ai pris des millions. Je voyage, je vais pas dire la somme, parce que c'est plus trop. Avec des grosses sommes d'argent, je voyage, je vais voir les gens. Des gens qui ont massé pied, des gens qui ont marqué. Le but à la canne t'a qualifié son équipe. J'ai vu des grosses têtes. Je n'ai pas rentré dans les détails. Donc du coup, je dis, bon, on vient. Donc ce matin, il me lève. Elle me dit, non, on va manger vite fait. Il dit, laisse manger là. Parce que je sais que si il met la nourriture dans mon ventre, ça va commencer à gargouiller dans le trajet là. Il est fatigué les gens là. Et puis moi, je ne serais pas à l'aise. Donc il dit, bon, il ne mange pas pour ne pas que mon ventre commence à passer. S'il n'y a rien dans mon estomac, je ne pourrais pas. Voilà. Donc du coup, on arrive vers 15h. J'avais peur. Je lui dis, mais. Après, on arrive chez ma soeur, elle me dit, bon, Constant, mange quelque chose. J'ai pris de l'eau, j'ai regardé le verre, elle dit, adieu. J'ai dit, bon, c'est pas grave, il boit. Après, quelque chose m'a dit au fond de moi, si tu crois que ton ventre gargouille, c'est que vraiment tu as mangé une bêtise. Sinon, si ça ne gargouille pas, aujourd'hui, là, c'est ton jour. Je parle d'aujourd'hui à 15h, à 16h, je bois l'eau, mon ventre ne tourne pas. Ma soeur me dit, bon, la nourriture à table, venez manger. On s'assoit, je mange, jusqu'à présent, mon ventre ne gargouille pas. En fait, le problème, c'est pas gargouiller ou pas. Le problème, c'est que j'avais perdu la foi. Je savais que Dieu pouvait faire quelque chose pour moi, mais je me sentais tellement loin de lui vis-à-vis de ce que j'avais vécu, vis-à-vis de ce que j'avais touché, vis-à-vis de ce que j'avais fait. Mais ce prophète-là, il a un truc en lui qui est spécial. C'est pas que je suis à la recherche de la guérison, non. Hein? Je suis pas à la recherche de la guérison. Il y a 6 mois de cela, j'avais signé un contrat en Suède. On peut voir sur Google, on tape mon nom, c'est le contrat est là. Mais jusque là, ce qu'ils avaient promis comme argent, c'est pas ce que je voulais. Je suis revenu, mes amis m'ont dit, non, on te donne l'argent, tu ne veux pas, tu reviens ici, tu veux chercher quoi. Il dit, c'est pas grave. Je vous dis que c'est pas que, je ne sais pas avoir un club. Non, je peux l'avoir, mais je sais ce que je veux. Parce que ma classe aujourd'hui, sinon rien par moi, c'est 300 000 euros. Ma classe à moi, je n'ai pas donné de nom parce que voilà, par respect. Donc voilà, c'est pas que je veux retourner dans le football ou soit peut-être je veux, non. Ma destinée là, reste ma destinée. Mais je veux dire une chose que à travers YouTube, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. J'ai joué devant plein de gens, j'ai jamais eu de frisson, on ne me dirait pas. Aujourd'hui, je parle devant vous. Même depuis là-bas, il commençait à trembler. Donc, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le gars, il me fait trembler. Donc, bref, je n'ai pas trop long, parce que ma femme m'a dit, il ne faut pas trop parler là-bas, il y a compris. Donc, voilà, il y a m'arrêté là. C'est pour vous dire que, voilà, j'ai traversé Divo, sachant que mon projet est à Divo. Mais quand il m'a dit, depuis 2006, il est dans le métier. Nous sommes en 2017. C'est vrai, je peux dire, j'ai perdu du temps. Mais, il n'y a pas beaucoup de courir, ce n'est pas un problème.
vous, je peux encore imaginer dans votre chose. Le plus important, c'est que je reconnais que Jésus, Seigneur. Parce qu'il y a certains amis qui se moquent de moi, ça change des statuts et tout. Moi, je ne réagis pas à ça parce que je sais que j'ai la crainte de Dieu, je sais que c'est Dieu qui fait de moi. Donc, je bénis Dieu et que, voilà, que soyez tous bénis. Que les présents soient bénis. Soit béni. Amen. Oui, Dieu. On acclame Jésus pour la sœur. Je salue les sœurs et frères ici présents au nom de Jésus. Mon petit témoignage que je veux partager avec vous est que en 2015, j'ai été opérée des deux yeux. Donc le droit, 26 août 2015, et le gauche le 15 octobre 2015. Et arrivé au mois de janvier, une douleur s'est déclenchée au niveau de la moitié de la tête, œil droit, oreille droite, visage droit et le bras droit jusqu'au niveau de la jambe. C'est comme si il y a une paralysie qui veut se faire, mais Dieu n'a pas permis. Mais la douleur était tellement intense que je ne pouvais même pas me lever pour faire la vaisselle, ni même me déplacer à 500 mètres. Même pour amener mes enfants à l'école, je ne pouvais pas. Pour aller les chercher à l'école, je pouvais pas. C'est mon mari et mes deux grands enfants qui le font. Et j'étais là tout le temps sur le canapé. Dans la journée, je suis sur le canapé, allongé sur le canapé. Et c'est la nuit que je retourne sur le lit dans la chambre. Donc, pour dire, quand c'est le jour, je ne peux pas rester dans la chambre pour dormir et le jour et la nuit. Donc, je fais un effort pour m'étendre, pour allonger sur le canapé. Et par rapport à cela, Dieu m'a poussé à aller sur YouTube et en écoutant les musiques, les chansons religieuses, et je suis tombée sur le prophète Joël Crasso. Avec le mois de juin, j'ai perdu mon mec à un arrêt cardiaque. Je suis partie au pays à la place mortuaire. Dès que l'enterrement s'est passé, au moment où j'étais encore à la place mortuaire, j'ai fait un songe, je n'ai pas vu la personne, mais c'est une voix qui m'a dit, la prochaine personne après le décès de ta maman, ce sera toi. Et je me suis vue, j'ai vu un cercle dans un trou, et quand je suis rentrée, la douleur s'est déclenchée encore terriblement, je ne pouvais rien faire. À ce moment-là, le prophète était en Espagne, et je l'ai appelé, mais je ne pouvais pas venir tellement la douleur était intense, et j'ai envoyé mon grand garçon parce que mon mari était encore au pays. Donc, il a ramené de l'huile que j'ai bu et je me suis oué avec. J'ai essayé de faire mon bain comme je peux et Dieu a fait sa grâce. Je me suis un peu relevé. Et le prophète avait le programme de venir ici, de faire une tournée européenne. Ça n'a pas marché, il est parti aux États-Unis. Mais Dieu m'a mis à cœur d'aller à vivre. Même quand on préparait le voyage, moi et mon mari, pour la Côte d'Ivoire, j'avais tellement mal, même le jour où même je devais quitter Paris pour aller à l'autre là, en Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que je peux me tenir dans l'avion avec cette douleur qui est si intense, de la tête aux pieds, au niveau du... Bon, le bas ventre, tout ça là, même pour m'asseoir, je ne peux pas. Et Dieu a fait sa grâce. Dès que je suis arrivé au Côte d'Ivoire, à Divo, la douleur là est partie. Donc juste aujourd'hui, j'ai plus cette douleur. Et après le bain que j'ai fait à Divo, je suis rentrée. Et au moment où j'ai fait le son, je suis dans le trou. À chaque fois que je réveille, je suis dans le trou au fond. Mais Dieu, je ne sais pas, la chose qui me tient, qui me retient un peu la tête à l'extérieur. Parce que tout mon corps est dans le trou, mais j'arrive pas à tomber dans le trou. Mais la main qui me tient là, à chaque fois que je me réveille là, j'essaie de partager ça avec mes enfants et mon mari. Et Dieu, il a fait sa grâce après le bain. Le songe que je fais maintenant, je suis sur la terre avec les vivants,
Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Également, les familles aussi, Dieu nous a aidés, on a fait les études. Il y en a qui ont les mains sur deux, il y en a qui ont. Il y a mon petit frère qui est médecin, il y a un qui est juriste. Donc, on n'a pas de travail, pour trouver du travail, c'est. Or, les médecins en Centrafrique, quand les médecins, eux, ils soutiennent là, quand ils ont leur doctorat, deux mois après, ils sont intégrés dans la fonction publique. Mais depuis que mon petit frère il a soutenu, il n'a pas été intégré. Donc, quand j'ai été à Dibo, j'ai expliqué ça au prophète, on a passé seulement 5 minutes avec lui. Juste, j'ai résumé le problème de. J'ai simplement résumé notre problème familial. Et il m'a dit, ça va aller, Dieu va faire. Donc, quand je suis rentrée là, dès qu'il était au programme de Lyon, mon petit frère m'a appelé pour me dire, grande soeur, je veux juste te dire que je bénis le Seigneur parce que je suis intégrée et que j'ai faim. Et j'ai aussi fait un test au niveau du ONG là. Donc, c'est moi qui suis le premier. Donc là, j'attends l'autre là. La vidéoconférence, après cela, je vais partir à Amsterdam pour faire une formation avant de rentrer au pays pour pouvoir diriger l'autre là, cette ONG. Donc je bénis le Seigneur, il a fait beaucoup de choses, mais je n'ai pas assez de temps pour tout raconter. Et je bénis vraiment le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui le prophète de parce qu'il est vivant, et vraiment c'est un vrai Dieu. Et vraiment, il a choisi son nom, son serviteur, pour vraiment nous délivrer et nous bénir. Croyez en Dieu et croyez en soi, à son prophète. Amen. Béni. Alléluia. Amen.